Belle première visite ici à Agra. Ça nous permet de mettre dans le bain ici dans l'entrée avant de rentrer dans le Rajasthan. Ça va être. Parce que là, ça va être beaucoup de visites pour la suite, beaucoup de visites de monuments, de forts, de temples, etc. Donc on a trop hâte. Deuxième site du jour. Agra Fort. Oui, messieurs, dames, oui. Il est impressionnant. Il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de monde. Il a l'air immense ce fort. Nous voilà donc dans l'enceinte de ce fort qui a été au 16e siècle et durant un peu plus d'un siècle la résidence principale des empereurs mongols. C'était l'ancienne capitale, on va dire, de l'Inde, qui après ça a été déplacé à Delhi au 17e siècle. Donc c'est vraiment très très joli. Des très beaux jardins bien entretenus, ça change du reste de l'Inde. Ça n'a rien à voir avec, avec les rues. Par contre, ce qui est dommage, c'est que dans beaucoup de monuments comme ça que tu visites, il y a plein de parties qui sont fermées. Là-bas, c'est fermé. Derrière, il y avait une partie fermée aussi. Donc en fait, bah, t'es vite limité et bah, au final, il n'y a pas grand-chose à visiter une fois à l'intérieur, quoi. Finalement, il y a plein de petits endroits cachés comme ça. C'est super beau. On était en train de se faire la remarque avec Alex, c'est que par rapport à tous les pays qu'on a pu faire avant, là il y a vraiment beaucoup d'Indiens. D'habitude sur les sites touristiques comme ça, il y a très peu de gens de locaux en fait, et on est plus de touristes. Mais là il y a énormément d'Indiens, d'écoles, et du coup c'est cool quoi. L'Empire mongol est surtout Agra fort, enfin le fort d'Agra pardon, il est archi connu pour l'architecture mongole. Donc là on peut voir que d'habitude c'est souvent avec du marbre blanc, mais là je sais même pas avec quoi c'est fait et ça change de fou de ce qu'on a vu juste avant. C'est vraiment super beau, ils sont vraiment connus pour ça les Mongols, enfin l'Empire mongol. L'architecture est incroyable, on peut le voir. N'est-ce pas Noémie ? Of course. Regardez sur Wikipédia, qui nous a dit que c'était du grès rouge. Et en fait, ça dépend des goûts de chaque empereur. Il y en a qui préféraient le rouge, il y en a qui préféraient plutôt le marbre blanc. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes constructions et différents styles surtout. Pourquoi mes habits sont pas été repassés là? Alex, mes amis pour être beau gosse au Taj Mahal. Alex, il prépare sa meilleure tenue pour le Taj Mahal. Et il s'étonne que c'est froissé, mais en même temps on vit dans un sac à dos. Du coup, c'est tout froissé, il croit qu'en en mettant comme ça, ça va se détendre. Mais Noémie, tu m'as dit oui, t'inquiète, tu peux mettre comme ça, ouais. Ça va marcher. Mais il y a des frères passés dans la rue, tu vas dans la rue? Ouais. On est de retour dans notre super chambre, hyper glauque là, on n'en peut plus. On s'est posé sur un petit rooftop là, pour le coucher de soleil, c'est magnifique. Avec la vue sur le Taj Mahal, c'est trop beau. 6h30. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de vous parler trop vite là. On prend pas de photo de ça, ni du lever de soleil qui est incroyable. On va direct voir le Taj Mahal. Et du coup, on s'est levé à 5h. On a commencé à faire la queue à 6h. Wow. Échec. Total sur les photos. Il m'a fait courir pour faire les plus belles photos. J'ai les pieds glacés et au final il y a des barrières.
et en fait on peut pas aller à l'intérieur. Et ben en fait ici ils viennent tous faire la photo très très connue, mais là il y a les barrières, c'est à dire on peut pas rentrer pour avoir un peu plus de profondeur. Le porche et du coup la profondeur avec le Taj Mahal en arrière fond. Et de l'autre côté c'est pareil, on peut pas, parce qu'en fait c'est quatre faces pareil. Il a été construit exactement pareil, donc c'est les deux côtés. Mais ouais, bon bah du coup un peu déçu sur ces photos. Mais pas déçu du tout du site par contre, hein, il est splendide. Et après on va aller visiter l'intérieur. On n'a pas le droit de prendre de photos ni de vidéos, donc nous avons bien profité du lever de soleil. Il y a pas mal de couleurs qui ont changé. C'est très joli. Et là on va direction le mausolée de Shah Jahan et de son épouse Mumtaz. Mumtaz Mahal, voilà, c'est grâce à eux, on va dire, que le Taj Mahal existe. C'est Shah Jahan qui l'a construit pour sa femme qui est décédée. Ça a mis une quinzaine d'années à construire. Pour lui montrer son amour. Ah, pour lui montrer son amour. Bon, elle était morte, du coup, c'est pas ouf. C'est un peu trop tard, on va dire. On est posé au soleil, on profite des derniers moments. Il est tellement beau. Après, c'est ce qu'on se disait avec Alex là, c'est qu'en fait, par rapport à Chichen Itza et au Machu Picchu, bah, il n'y a pas d'histoire en fait pour le Taj Mahal. On a lu un peu, bon voilà, c'est le mec qui, enfin le mec le fait pour sa femme qui est morte en donnant naissance. Il lui prouve son amour, voilà, ils sont enterrés à l'intérieur. C'est ce qu'on n'a pas pu. Ce qu'on n'a pas pu vous filmer. Mais voilà, après, je sais pas ce qu'il raconte, les guides ici, je pense un peu sur la construction, comment ça s'est fait, en combien de temps, parce que ça a été long. Il y a beaucoup de matériel aussi qui a été. C'était ramené à 200 km d'ici, le marbre blanc. Ouais, tout le marbre. Des milliers d'éléphants, apparemment. Donc voilà, il doit raconter un peu ça, mais bon, t'as vite fait. Non, je pense qu'il raconte l'histoire des Mongols, de l'Empire mongol. Oui, de l'Empire mongol. Sinon, t'as fait le tour en une minute, quoi. Mais l'Empire mongol, c'est énorme, genre, ça a été un empire ultra énorme, enfin, ultra gros. Et. Je pense que c'est plus complexe que les Mayas et les Incas réunis. Ouais, non, vraiment, ils sont. Il y a eu tellement de guerres. Et en fait, on ne connaissait pas du tout, alors que Maya, Inca, bon voilà, c'est un peu connu, mais là, les Mogols, inconnus au bataillon. Quoi. Nous disons au revoir au Taj Mahal, que l'on voit à peu près de partout. C'était trop beau, on a bien aimé, on a kiffé. C'était express. Ouais, ultra express. On est arrivé hier à 6h, il est 13h et on s'en va prendre le train. Et voilà, c'est comme ça, ça va être le début de la course aux visites. On va voir plein de choses, normalement ça va être super. Nouvelle journée, on commence à Jaipur. On s'est levé à 8h du matin, il y a notre chauffeur de tuk-tuk qui nous attend parce qu'on a décidé de faire autrement pour la première fois. Les sites touristiques sont tellement éloignés que du coup bah, c'est plus simple de prendre un chauffeur à la journée et plus simple surtout. Bon appétit bien sûr. Petit bruit là. Daniel, les petites souris, Noémie.
pour aller devant. On est arrivé au fort d'Ambert, il y a 10 minutes de marche, c'est des petits escaliers comme ça. Mais voilà, il y a des touristes et il y a des personnes qui prennent des éléphants pour monter. Ouh là là, Michou, madame. C'est triste, hein. Et ils sont pas que. Il n'y a pas que deux éléphants quoi. Il y en a des dizaines et des dizaines. C'était vraiment beau comme fort, tu t'y perds, c'est vraiment agréable, t'as pas de chemin tracé, t'as pas de porte interdite, tu vas où tu veux, donc ça c'est vraiment cool. Ah, vous voyez les chambres et vous tout, voyez les chambres, les toilettes. C'est vraiment beau, ils ont de la peinture sur eux, ils sont décorés. Tout ça pour éviter de monter 185 marches. Franchement ça nous a pris même pas 10 minutes, on s'est arrêté pour faire des photos, etc. Donc c'est pour ça qu'on a été plus lent, mais on comprend pas comment ça peut se faire encore ce genre de choses quoi. C'est fou. C'est ce genre d'endroit où tu regardes sur les réseaux, tu regardes sur les photos, ça rend super bien vraiment, mais là je suis un peu déçu quand même. Ouais, même si c'était pas le plus gros spot de la journée, mais sur les photos ça rend très très bien et là. En photo ça rend super bien en fait, ils se mettent en bas, on dirait que l'escalier il est immense. Et surtout, ils ne montrent pas la couleur de l'eau. This complete old temple. We use four kinds of marble, black, white. On n'est vraiment pas l'habitude de faire ça, d'habitude on va par nos propres moyens. Là c'est à déposer dans des endroits et rester 2 minutes et puis c'est pas ouf. Surtout pour voir ça. Un palais qui n'existe plus depuis 30 ans, il n'y a personne qui vit dedans. Il est au milieu de l'eau et il est loin en plus, voilà, tu peux pas aller le visiter. Et
voilà. C'était juste la résidence secondaire des Maharajas. Ils venaient en vacances. Ils habitent au fort là-bas à 20 minutes à Dotchamo, à 30 minutes à Dotchamo. Et là, ils venaient voilà, se reposer ici. Bon, c'est, l'histoire non plus est pas folle. Et voilà, ça arrive. Hein. Journée dans la ville rose du Rajasthan à Jaipur terminée. On s'aura bien baladé, on a vu plein de choses, même si c'est pas le mode qu'on aime bien, être pris comme ça, aller à un endroit, faut partir tout de suite. Bon, c'est pas ce qu'on préfère, mais ici en vrai, en Inde, il n'y a pas trop le choix, on va pas se mentir. C'est, ça marche beaucoup comme ça parce que bah, les endroits sont assez éloignés les uns des autres et surtout il n'y a pas de moyen de transport collectif comme le bus pour aller aux endroits comme ça. Donc du coup bah, tout le monde prend ça ou des voitures privées carrément. Donc pas le choix. Mais en tout cas le guide est très gentil. Ouais, il nous expliquait un peu de temps en temps. Il nous a fait découvrir des choses qu'on n'avait pas prévues aussi. Et ça c'était vraiment cool. Où on était tout seul par contre, il y avait ouais. Que nous comme touristes. Demain on va tenter de faire un petit safari. Donc je pense que je vous mettrai juste des photos de ce qu'on a pu voir. Parce que ça risque d'être. D'en profiter. Donc on va pas s'amuser à faire et la photographie et la photo, les photos avec l'appareil photo et la GoPro pour YouTube. On a envie de profiter de ce moment, c'est notre cadeau de Noël. Donc voilà, on en prendra plein les yeux j'espère. J'espère voir des belles choses. Donc vous aurez quelques photos et puis on se retrouve pour la prochaine ville du Rajasthan qu'on va vraiment visiter encore une fois. La vidéo se termine ici. Pour vous situer un peu, on est entre Noël et Nouvel An. Ça fait 12 jours qu'on n'a pas filmé. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas tout le Rajasthan. On a été donc on a fait le safari. On n'a pas vu le tigre du Bengale, mais Alex va vous mettre quand même quelques photos. On a quand même bien apprécié parce que les paysages étaient super beaux et se retrouver dans la nature dans ce pays, ça fait du bien. Donc du coup on a bien apprécié et voilà. Ensuite on a été à Pushkar, on s'est reposé, on n'a rien visité là-bas, on n'avait pas envie, on a fait du shopping parce qu'il y a des très beaux habits là-bas. Et puis nous sommes partis pour Jodhpur. Jodhpur c'est la ville bleue. Tu mettras la photo ou pas? Donc on vous mettra quelques photos, mais on n'a jamais pris la GoPro, vraiment depuis 12 jours on en avait super marre, on était un peu fatigués. Et du coup on a pris une décision, on a pris un avion pour aller dans le sud de l'Inde. Donc là on est au sud-ouest de l'Inde et on est à la plage. C'est pour ça que vous me voyez en petite tenue comme ça, parce qu'ici c'est beaucoup plus ouvert le pays et ben, on est au bord de la plage déjà. Il y a beaucoup de touristes ici, européens qui se promènent en maillot de bain, etc. Et du coup le regard pour les femmes est complètement différent de ce qu'on peut voir dans le nord. C'est calme, c'est la nature, vraiment c'est hyper agréable parce que là le Rajasthan, ça nous plaisait pas du tout la façon de voyager, faire plein de visites, enfin ça nous intéresse pas, il y avait énormément de monde, on appréciait de moins en moins les Indiens, ils nous sortaient par la tête, on pouvait plus les voir. On pouvait plus les voir. Donc là on a dit stop, il faut qu'on parte. Donc on est parti et là ça y est, on les re-aime un peu. La vidéo elle se termine ici, vous verrez pas plus d'Inde parce que nous-mêmes on veut plus la voir. Ouais. Et donc du coup on vous laisse sur cette vidéo, sur ces images. On est bien, on est paisible à la plage et on se retrouvera tranquillement pour un prochain pays. Et là on reprendra la GoPro, c'est promis. C'est promis Noémie. C'est promis, je m'y engage parce que maintenant c'est moi la reine des vidéos. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu, on est dans un petit hôtel, bon j'ai fait la lessive là. Un petit hôtel, les cocotiers, la piscine, on est à 3 secondes de la plage, c'est parfait, c'est tout ce qu'il nous fallait pour terminer l'Inde. Ciao. Ciao.